7h dans tout studio Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui, vendredi, pour nous capables de présenter toutes les dernières informations pour le week-end. Déjà, nous souhaitons passer un très bon week-end sous Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, prend la parole. Hier jeudi, dans le cadre de la 73e Assemblée Générale Nations Unies, qui déroulé dans New York. Chef l'État haïtien renouvelé engagement là devant peuple haïtien à communauté internationale là pour continuer lutter contre corruption dans le pays d'Haïti. Autorité aéroportuaire nationale AAN en tête collée à l'Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire, brigade lutte contre trafic stupéfiant, organisé un exercice simulation sur piraterie aérienne et renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ministère Commerce et Industrie organisé deux journées formation hier jeudi Kabouta, jeudi vendredi 28 septembre sous gestion entreprise à comptabilité pour bénéficiaires programme appui pour entrepreneuriat jeunesse là. Activité ça rentré dans cadre dispositif présidence l'en prend pour capable accompagner jeunes pas bon ici. Et puis à l'étranger, la police dans les Pays-Bas mettait en bas corde 7 individus qui ont eu l'idée de commettre attentat terroriste dans le pays. C'est là. C'est grand point ça que Claude a porté pour le journal jeudi vendredi. N'a pas de pause. Pas déplacé. N'a pas tourné à l'heure. Merci pour fidélité à l'édition nouvelle. C'est là. Nous retournons pour le développement information. Et je nous dis, dans grand titre, 73e session ordinaire, Assemblée générale des Nations Unies, c'est occasion pour le président de la République, Jovenel Moïse, mettre accent sur plusieurs points dans divers domaines qui paraissent importants pour le pays d'Haïti. Chef d'État a attiré l'attention des autorités sur une série d'engagements qui te prend pour capable aider petits pays parmi Haïti faire face à l'état contre le réchauffement climatique. Là. Jovenel Moïse a souligné Haïti pas produit gaz, pourtant lissé dans un pays qui subit plus conséquences gaz à effet de serre. À nous suivre. L'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus pesantes pour l'humanité. Se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien, les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avère indispensable. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. Force est de constater que les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre, alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents.
Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des aftes du changement climatique devront se matérialiser. Président républicain Jovenel Moïse renouvelé engagement là pour créer instabilité dans institution publique. Dans ce sens, le président républicain là dit qu'il a fait tout effort nécessaire pour institution capable de remplir mission comme ça doit. Chef l'État profite pour porter éclaircissement sur travail à caravane qui visait mettre toutes ressources l'État ensemble au service de la population. Une stratégie qui permet d'adresser divers problèmes de la population. À nous suivre. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable, propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Qu'il me suffise à cet égard de citer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Cependant, en dépit de ces avancées, force est donc de reconnaître que l'atonie de la croissance économique continue de peser lourdement sur la stratégie nationale de développement et de pérennisation de la paix. Le pays est en effet confronté à des défis interreliés et de grande ampleur. À cela s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles, le tremblement de terre de 2010, on se le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. À cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone Mathieu, qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquence. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitoring Program conclu avec le Fonds monétaire international. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confronté à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers. Toujours dans le cadre du discours prononcé dans l'occasion 73e session ordinaire, Assemblée annuelle générale ONU, chef l'État haïtien renouvelé engagement pour capable continuer à mener une lutte sans prendre souffle contre la corruption dans le pays d'Haïti. Retirer ou lancer conditions pour monde capable bien investir par Boïsita, permettant la paix et la sécurité établie dans la société, fait partie priorité chef l'État haïtien. À nous suivre. Je tiens à réitérer ici, devant cette assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit,
la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée et opiniâtre contre la corruption sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche munie de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés, porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. Aucun pays pas qu'à faire développement durable s'il n'a pas gagné bon infrastructure dans divers domaines pour capable répondre à besoin population là. Dans ce président républicain d'Haïti, Jovenel Moïse, cite montant l'argent, la besoin dans divers domaines pour capable répondre à exigence liée. Comme exemple, Haïti besoin 450 millions de dollars américains pour capable créer 15 000 salles classe pour faciliter 500 000 timouna qui pour que jamais prenne l'école bénéficier pain l'instruction. À nos second extrait. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près de 1 million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. La construction de 14 centres germoplastes et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants
qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars en sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTA en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. N'a précisé président République la Jovenel Moïse après entrer dans le pays à jeudi vendredi à rete branché télévision nationale d'Haïti qui permet que vous suivez l'intervention président depuis l'aéroport Toussaint Louverture dans le cadre bilan participation dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies qui déroulé dans New York pays États-Unis. Ministère commerce et industrie l'ouvrit hier jeudi 27 septembre une séance formation sur gestion entreprise à comptabilité pour bénéficiaires dans programme appui pour entrepreneuriat jeunesse là. Activité ça qui aboutit jeudi vendredi à rentrer dans cadre dispositif présidence là prend pour capable accompagner jeunes. Stéphanie Charles aka Toussaint Fresnel a présenté nos reportages. Déjeuner formation ça rentrer dans cadre accompagnement pour appuyer et accompagner jeunes yo dans élaboration avec exécution projet yo gagné encourager au finaliser et puis normaliser produit yo journée formation ça yo qu'a réalisé pour jeunes dans 140 communes dans pays a aider lancer propre activité yo d'après coordonnateur projet appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean avec Papège la première année de l'entreprise que ce soit la patente la carte d'identification professionnelle, l'enregistrement au ministère du Commerce, c'est le ministère qui s'en charge. C'est indispensable pour nous, au niveau du PAPEJ, que les bénéficiaires du programme soient formés. C'est des entreprises qui peuvent faire face à accès au crédit, on va qui est très rare en Haïti, pour une fois des jeunes entrepreneurs. Dans toute commune dans le pays, je rappelle qu'on a les 140 communes présentes ici, des jeunes qui sont partout, qui ont des projets d'entreprise, qui ont accès à crédit en Haïti. Coordonnateur commission jeunesse là, Rico Pierre-Louis, bon côté PAL, fait qu'on est la pas Cyril, tout bénéficiaire, yo gain information nécessaire dans l'idée pour aider l'État dans moyen la bayo pour gérer business. Yo. Ministère commerce et ministère des finances, dans la tête collée à la commission, de démêler yo koumet Jean-Jacques aux jeunes qui présentaient pi bon projet yo joindre accompagnement nécessaire nan mette campé business yo. En plus de ça commission nationale jeune yo assure que tout bénéficiaire ça yo a participé la formation ça pour arriver joindre moyen pour faire business yo grandi. Et nous avons mis ensemble avec le ministère SAIO, on a parlé de ministère Finance, ministère Commerce, pour organiser non seulement deux journées de formation, mais de l'autre formation qui va venir encore dans le prochain jour. Une façon pour aider à gérer les moyens de l'État pour le mettre à disposition. Ministre Commerce, là, bat bravo pour l'équipe PAPEJ, qui d'après lui a travaillé pour créer plus de jeunes entrepreneurs dans le pays. Là. Li promet bénéficiaires yo a gagné accès crédit et puis accompagnement technique. Ronel Gilles souhaitait bénéficiaires yo succès et puis bay meilleur de yo même. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée,
Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec le programme Appui Entrepreneuriat Jeunesse La Papège, a gagné pour mettre sous pied chaque 3 mois 300 nouveaux jeunes entreprises pour aider à créer travail dans le pays d'Haïti, d'après recommandation président de la République, Jovenel Moïse. Et je nous dis que dans grand titre, autorité aéroportuaire nationale AANA, dans tête collée avec l'Office national aviation civile, direction centrale la police judiciaire et brigade lutte contre stupéfiants, trafic stupéfiant organisé un exercice simulation sur piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Conseiller en sécurité AANA Henri Robert Macachal expliquait que chaque de l'année, direction AANA organise un exercice simulation SAYO. Reportage 5 Kouapaki à Chloor dans les Jean-Jacques. Exercice simulation ça qui déroulait sous piraterie aérienne visait renforcer disposition sécurité dans l'espace aéroport et puis maîtriser quelques individus qui fait braquage, prend en otage passagers dans avion ou bien trafic drogue. Conseiller dans affaires sécurité AANA, ancien colonel Henri Robert Marshall, expliquait exercice simulation ça, c'est pour faciliter ou faire face à la réalité. C'est quoi un exercice de simulation? C'est une activité que nous sommes tenus de faire périodiquement. Normalement, d'après nos manuels, nous devons en faire une à grande échelle chaque 2 ans et chaque année une autour de la table. Et à chaque fois, un scénario différent. Et on a eu des accidents d'avion, on a eu des écrasements au sol. Et cette fois-ci, nous avons fait une prise d'otage. On est tenu de faire ce genre d'exercice parce que nous sommes un aéroport international et tout aéroport international à travers le monde, membre, tous les pays membres des Nations Unies, donc de l'OACI, est tenu de faire cet exercice pour garantir la sécurité de la famille de l'aviation civile. Ancien colonel Henri Robert Marshall fait qu'on est dissatisfait pour réalisation exercice simulation sous piraterie aérienne, non? Pendant les remercier toute instance qui t'a participé à l'activité ça. Est-ce que nous satisfait? Oui, nous satisfait. Pourquoi ça nous satisfait? Parce que nous voyons que nos exercices de simulation, tension qui existait, c'est pas tension ça qui pourrait exister si nous avons un exercice réel, la vie plus fort. Ok? Mais nous sentis tension quand même. Nous satisfait parce que nous arrivons à maîtriser tension. Nous arrivons à faire un travail. Ou à qui quantité de monde comme nous qui participent là-dedans, qui quantité d'entités. Nous arrivons à faire une bonne coordination. Là, nous satisfait. Mais pour nous, nous pouvons améliorer. Parce que nous avons des mots ou dit qui interprétaient l'autre gens pour l'autre monde, l'autre formation. Parce que tout le monde a la même formation. Et c'est ça qui fait que, avant de nous faire ça, nous faisons pile exercice. Ou par contre, qui acte illicite, qui gagne plus d'activité là-dedans? Qu'on y a son prise d'otage, qu'on répond que c'était alerte à la bombe. Ouais. Donc, pour l'autre, là, c'était avion qui a tombé tout le temps. Donc, nous pas qu'à. Et le par exemple, nous dit nous pour gagner un exercice de simulation,
n'ont pas dit qu'ils s'allient. Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire, contrôle qualité, direction sûreté et sécurité, avec plusieurs unités spécialisées dans PNH, ont participé à l'exercice simulation ça, qui est toujours organisé chaque deux années dans l'autorité aéroportuaire nationale. Et c'est là nous fermons un chapitre local. Nous pour aller à l'étranger, nous te dit dans grand titre, nous pour aller dans Pays-Bas. Puisque il y a environ 400 la police qui était mobilisée dans cadre d'une opération qui permet de mettre en bacorde 7 individus. Et ben moun sa yo qui gagnait entre 21 à 34 l'année sous tête yo, gen accusation comme quoi yo t'a planifié pour capable commettre un gros acte terroriste dans pays si là. Euronews a dit nous plus. Au Pays-Bas, l'opération a mobilisé 400 agents des services d'intervention spéciale et elle a abouti à l'arrestation de 7 personnes soupçonnées de planifier une attaque terroriste. Selon les autorités néerlandaises, les suspects âgés de 21 à 34 ans prévoyaient de perpétrer très prochainement un attentat majeur lors d'un grand événement public à l'aide de ceintures explosives et de Kalachnikov. Ils envisageaient aussi de faire exploser une voiture piégée. Les suspects doivent être présentés à un juge d'instruction à Rotterdam dans la journée. En juin déjà, deux hommes soupçonnés de préparer des attaques terroristes en France et aux Pays-Bas avaient été arrêtés à Rotterdam. Et c'est sous dernière information, ça n'a pas mis un bout dans le journal là. Mais avant nous dire bye-bye, permettre que nous rappelons le grand point qui dominait l'actualité. Président de la République, Jovenel Moïse, prend la parole hier jeudi dans le cadre de la 73e Assemblée générale des Nations Unies dans New York, pays États-Unis. Chef l'État haïtien renouvelé engagement devant le peuple haïtien et la communauté internationale pour capable continuer la bataille contre la corruption dans le pays d'Haïti. Autorité aéroportuaire nationale AAN na tête collée ak Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire, à brigade lutte contre trafic stupéfiant, organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne ak renforcement sécurité dans aéroport international Toussaint Louverture. Ministère Commerce et Industrie organisé jeudi 27 septembre, Kabouta, jeudi vendredi 28 septembre, une séance de formation sur gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier programme appui pour entrepreneuriat jeunesse là. Activité ça rentre dans le cadre dispositif présidence là pour capable accompagner jeunes pas bon ici. Et puis, à l'étranger, la police dans les Pays-Bas mettait en bacorde 7 individus qui ont l'idée de commettre un gros acte terroriste dans le pays Sila. Et c'est grand point ça nous avons pour notre journal avec quelques autres. Nous sommes vraiment contents ensemble avec vous pour être capable d'informer vous. Nous sommes seulement pour capable souhaiter passer un très bon vendredi, mais surtout un très bon week-end sur la télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde.